vous présenter trois exercices que vous pouvez faire largement au bureau. Donc dans le cas où vous avez mal au dos et que vous êtes au bureau, que vous ne pouvez pas trop bouger, vous allonger ou aller dehors prendre l'air, je vous conseille cet exercice-là qui est très important pour le dos. L'objectif, c'est vraiment de creuser son dos, contracter tous les muscles et puis relâcher doucement. Inspirez quand vous creusez le dos, expirez quand vous relâchez. Essayez d'imaginer que vous voulez pointer avec votre sternum le plafond. Hop, on cherche le plus haut possible et puis on relâche. Gardez votre dos droit, creusez et relâchez. Allez-y tout doucement, ne vous pressez pas. Alors, je vais vous présenter un deuxième exercice pour soulager les douleurs que vous avez au dos et puis aussi en profiter pour le renforcer. Donc l'exercice consiste à se mettre dos contre un mur, vous venez coller vos bras, les coudes restent collés, on met le dos droit, on essaye de monter, on garde toujours les bras collés et on redescend doucement, on contracte le dos en ramenant les coudes le plus proche du corps possible. On recommence, on monte et on descend. Allez-y doucement. Alors, si jamais vous êtes au bureau, vous avez des douleurs au niveau des cervicales, les exercices qui sont recommandés sont les suivants. Tout simplement, vous allez commencer par lever un petit peu la tête. C'est important de ne pas trop pencher la tête en arrière. Pourquoi ? Parce que vous allez tasser vos cervicales. Par contre, ce qui est le plus important, c'est vraiment de descendre tout doucement. Gardez votre dos droit, essayez d'aller toucher votre sternum avec votre menton, étirez la colonne vertébrale, étirez les cervicales, et puis vous remontez doucement. Hop. On souffle quand on descend. Et puis on inspire quand on monte. On y va doucement. Très bien. Ensuite, vous pouvez venir regarder sur le côté. Et puis, l'autre côté. On y va doucement. Et pour terminer, on couple ces deux mouvements et on essaye de dessiner des ronds avec sa tête. En insistant vraiment quand on a la tête vers le bas. On étire les cervicales vers le haut, ne mettez pas trop la tête en arrière. Et puis, on change de côté. Inspirez en haut, expirez en bas. Vous pouvez fermer les yeux pour vous détendre.